Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ça va être la joie. Ouh. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go go. Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Ouh. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au Gadget, qui marche ou marche pas. Oh, arrête de grogner, Fino. Viens plutôt voir ce qu'il y a dans les autres aquariums. C'est vraiment formidable. Tu as vu le nombre d'espèces différentes réunies ici? Oncle Gadget, où étais-tu passé? J'ai fait tout le tour de l'aquarium et je n'ai pas vu un seul grand requin blanc. Mais Oncle Gadget, regarde, il y en a un juste ici. Ce requin n'est pas très blanc, il a peut-être besoin d'un nettoyage. Oncle Gadget, c'est mon gadget au fond ultra secret. Excusez-vous, chef. Vous êtes où? J'arrive tout de suite, chef. Je ne vous aurais jamais reconnu, chef. Mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Gadget! Par ici! Ah, c'est mieux comme ça, chef. Gadget! Chef! Voici votre mission, Gadget. Océanographe du gouvernement a disparu au large des côtes, stop. Mad suspecté, stop. Retrouvez-les, stop. Ce message s'auto-détruira. Faites-moi confiance, chef. C'est comme si c'était déjà fait. Retiens, je me retiens, mais un jour... Au revoir, Sophie. Cette mission ne devrait pas prendre plus d'un jour ou deux. Sais-tu quelles recherches ils effectuaient, Oncle Gadget? Je l'ignore, Sophie. Ils avaient peut-être trouvé une de ces cités sous-marines. Mais il n'y a aucune certitude que de telles cités existent. Mais il n'y en a aucune qu'elles n'existent pas. J'aurais mieux de le suivre, Fino. Ce satellite me transmettra tous les secrets militaires. De cette façon, je serai invincible. Vous assisterez non seulement au lancement du satellite, mais aussi à la fin de Gadget. Il n'y a pas un seul instant à perdre. Go, go, Gadget au mobile! J'espère que ce camion ne va pas lui aussi jusqu'à la mer. Ça m'ennuie de te décevoir, Gadget, mais tu n'arriveras jamais jusqu'à la mer. Appliquez le plan numéro 1. Eh oui, docteur Gang. Partout mes gadgets. Go, go, gadget au roux. Il faut que je l'avertisse que sa citerne fuit. Hé, chauffeur. Excusez-moi. Appliquez le plan numéro 2. Il faut arrêter Gadget.
Oh, oh, toute la citerne s'est vidée. Hé, hey, vous avez perdu tout votre mazout. Faites quelque chose, c'est dangereux. Nom de Gadget. Go, go, Gadget au bras. Ce chauffeur est vraiment d'une négligence. Partout mes gadgets. Préparez le mât de canon. En plein centre de ma ligne de mire, Gadget. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. N'échappera plus, Gadget. Pour mener à bien mes recherches en mer, il me faut un équipement approprié. Gadget est trop près de notre base. Finissons-en avec lui une fois pour toutes. Oui, Dr. Gank. Que se passe-t-il, Fino ? D'accord, Fino. Je te rejoins aussi vite que possible. Bon après-midi. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis l'inspecteur Gadget. J'enquête sur la disparition des océanographes du gouvernement. Savez-vous quelque chose? Non! Le coin était plutôt calme ces temps-ci. À cause des requins! Les requins ne me dérangent pas. Vous ne vendriez pas des bazookas par hasard? Non! Mais je vous conseille ce fusil sous-marin. Vous voyez la gâchette qui se trouve ici? Oui. Vous n'avez qu'à appuyer. Oh! Je crois que les balles me feront très bien l'affaire. Je voudrais louer un bateau. Excusez-moi. Je disais, j'aimerais louer un bateau. Oh, d'accord. Ça ne sera pas très long. Non, pas très long, mais au moins 3 mètres. Gadget va faire un petit tour en mer. Veille à ce qu'il rencontre un de nos mâts de requins. À vos ordres, patron. Bon.
bonne promenade, Gadget. C'est bien tranquille dans le coin. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Le nom d'un gadget! Je vais exiger un remboursement intégral. Votre bateau a eu une petite avarie. Mais enfin, il est tout neuf. Non, il était tout neuf. J'en voudrais un d'un autre modèle cette fois-ci. Comment est-ce qu'on sort de ce truc-là? Je ne me sens guère en sécurité dans ce genre de bateau. Vous n'avez rien de plus solide que ça? Comment? Vous avez abîmé celui-là aussi? Non, c'est lui qui s'est abîmé. Nageur de fond olympique. Bonne chance! J'ai dû croiser un courant très violent. Je ne savais pas que mon air, la nuit, tombait aussi vite. Fino! Fino! Où a-t-il pu passer? Je vais voir là-dedans. Sapristi. Des requins mécaniques. Et un sous-marin. Le docteur Kang veut que nous rentrions à la base. Il va lancer le missile. Le docteur Kang, une base de missile? Les nuits en mer sont vraiment sombres. Go, go, gadget au lance! Non! Non, lance de poche! Nom d'un gadget! Une nappe de brouillard maintenant. Demande où je suis. Gadget. Je vais en finir avec lui pour de bon. Attention à tous les agents. Allez chercher Gadget. On dirait que ce peuple sous-marin attendait ma venue. Ce doit être la voix de leur chef. La base de missiles de Mad. Oh, contente de te voir, Fino. Retrouve Oncle Gadget pendant que je cherche le missile. Emmenez Gadget au bassin. Oui, Docteur Kang. Ma pieuvre mécanique va te tenir compagnie, Gadget. Youhou! Partout mes gadgets. Oh, excusez-moi, c'est bien ici la cité sous-marine? Oui, c'est ici. Savez-vous où se trouvent les océanographes? Eh bien, oui. Si vous me portez, je vais vous conduire jusqu'à eux. Ah bah, avec plaisir. Oh, je suis à vos pieds, chère madame.
Les sirènes doivent être plus légères dans l'eau, je suppose. C'est tout droit, monsieur. Pas de réponse. C'est curieux, ils ont peut-être des ennuis. Go, go, gadget à clé. Et excusez-moi, madame. Il n'y a personne ici. Adieu, gadget. Ça doit être l'animal favori de la sirène. Plutôt démonstratif, un peu. Quelle énergie ! Il devrait lui faire faire un tour plus souvent. Ne t'en va pas, petit hippocampe. Hé, hey, attends, sais-tu où est la sirène ? Oh oh. Quand le docteur Gang aura lancé le satellite, il sera à même d'apprendre tous les secrets du gouvernement. C'est donc ça, un satellite espion. Il faut que j'empêche le lancement. Prêt pour le compte à rebours. Je n'ai pas une seconde à perdre. Mais où a-t-il bien pu passer? Quoi? Gadget en liberté? Envoyez le crabe mécanique. Un autre compagnon de jeu? Doucement, petit Lucas. Go, go, gadget au patin. Manque d'énergie, celui-là. Lancement dans une minute. Sapristi! Te voilà. Hé, hey, attends! Attends! Nom de gadget! Avez-vous vu passer un hippocampe? Est-ce que vous m'entendez? Ginny! Est-ce que vous deux m'entendez? Oh! Hurra! As-tu retrouvé Oncle Gadget? Et les océanographes? Beau travail! Je vais appeler le chef Gontier. Vite! Il nous reste moins d'une minute. Alors, voyez-vous, j'essaie de le retrouver. Ah, le voilà là-bas! J'ai trouvé! Lancement dans 40 secondes. Gadget, cet engin est-il alloué? 30 secondes. À mon avis, je crois qu'il l'est. Viens, Fino. 15, 14, 13, 12, 11. Est-ce qu'il est compris avec la tiraille de pêche? Hein? Chef Gontier? Ah, les océanographes. Nom de gadget. Oh! Ah. Bon travail, gadget. Mes hommes vont repêcher les agents MAD. Ce ne sont pas des agents, chef. C'est le peuple de la cité sous-marine que j'ai trouvé.
Quoi? Je vous assure, chef. Avec une sirène et tout et tout et tout. Gadget, mon ami, je crois que vous avez vraiment besoin de vacances. La prochaine fois, Gadget, je jure que la prochaine fois, je t'aurai. Encore une mission de réussite, Sophie. Tu as retrouvé les océanographes. Et j'ai ramené à la maison de beaux homards bien frais. Manger du homard est tout un art, Sophie. Tu as besoin de ces pinces spéciales pour briser leur carapace. Non, non, Gadget. Ce n'est qu'une petite coupure. Égratignure et petite coupure ont besoin de soins, elles aussi. Exact, Sophie. Pour en enlever les impuretés, il faut les laver avec du savon, mais bien rincer sous l'eau courante. Et pour éviter toute infection, mettre un antiseptique et les recouvrir avec un pansement bien propre. Et pour plus de sécurité, je propose que nous allions acheter une pizza. Et là qui va là ? Et là ça va pas ? Oh là, je suis là ! C'est moi que voilà ! Ça va être la joie ! Au nom de la loi ! Moi je vous arrête ! Je vous arrête là !